Cet été, venez découvrir à l'Aise un petit train. Embarquez à bord du nouveau train touristique pour une visite sympathique et atypique de la ville. Après la quatrième fleur et à l'Esplage, à l'Aise est devenue aussi une ville touristique. Et il fallait compléter l'offre au tourisme. Et voilà qu'aujourd'hui, il nous arrive sur Alès, notre petit train qui permettra au tourisme de faire des balades urbaines avec des commentaires et les retenir les plus longtemps sur notre patrimoine. L'idée, c'est de faire découvrir d'abord aux Alésiens leur ville et puis bien sûr aux touristes de passage, parce qu'il y en a beaucoup sur Alès, le potentiel touristique d'Alès qui existe bel et bien à travers différents monuments et à travers l'histoire et les anecdotes de la ville. Tous les jours, trois visites et deux parcours de 50 minutes, commentés en français et en anglais, sont proposés. Le circuit cœur de ville à 10h30 et 14h30 et le circuit Ermitage à 17h30. Les balades urbaines et fleuries qui font découvrir la ville à pied depuis quelques années ne seront pas pour autant abandonnées. Là, c'est quelque chose en plus. C'est vrai que la notion de petit train touristique, c'est tape à l'œil. On a envie de monter dedans. Quand il fait chaud, on est à l'air, donc c'est merveilleux. Les enfants adorent ça. Donc l'idée, voilà, c'est d'être attractif et d'avoir quelque chose de très visible, puisque le train, dès qu'on passe dans la rue, tout le monde fait coucou et ça marche très très bien. Le train touristique d'Alès circulera du lundi au samedi jusqu'au 20 septembre, avec départ et arrivée au bureau d'information touristique, place de l'Hôtel de Ville.